Rebonjour tout le monde, pour ceux qui ont déjà vu les deux premières vidéos, enfin les trois premières vidéos, ça c'est la quatrième de la journée. Donc là on est sur le custom de Johan. Voilà, donc un custom préparé pour un mode un peu speed CQB. Donc pas du speed en compétition avec le règlement strict. Donc là elle est préparée pour de la 0.30 à 100 PSI. La réplique fait 1 joule à 100 PSI en 0.25 et là donc elle est réglée pour de la 0.30. Hein. Donc la culasse, je sais pas ce que c'est comme culasse, ça doit être une vieille culasse, ça franchement je l'ai jamais vue je crois. Donc elle est chouette, hein. Ça doit être une Airsoft Masterpiece, peut-être une Gunsmith Bros. On est sur une base de Kappa Marui standard noir, un grip donc Nova G10, voilà magnifique ces grips là, rouge, Tiger Coco, short curve, deux parties. On est sur un marteau QB Infinity Airsoft Masterpiece en acier et en interne on est sur du full upgrade. Voilà. Donc là je dis on a la 0.30. Pour ceux qui auront vu les vidéos d'avant, le vent il est toujours aussi fort, hein. Il n'y a pas de souci. Mais on est un grammage plus lourd, donc on va voir s'il y a une différence. Hein. Donc je rappelle, d'ici je suis à 30 mètres du mannequin blanc là-bas qui est sous le hangar, 25 mètres de l'argenté, avec une petite cible de 20 cm de vent. 15 mètres de la première cible de 20 cm ici et les deux derrière sont à 20 mètres. Voilà, vous entendez, ça touche là, on va mettre la cible, hein, sans problème, on fait même des doublettes. Alors, est-ce que je vais pas lui remettre un coup de hop-up à celui-là? Peut-être un petit coup. Donc là, le chargeur là est vide. Alors honnêtement, il n'y a pas de souci, hein, ça tire bien. La précision, elle est là. C'est plus précis à la 0.30 qu'à la 0.25. Avec ce vent, il n'y a aucun... y a même pas photo, hein, moi je le vois tout de suite. On va lui mettre un deuxième chargeur. Je sens que le trigger est un petit peu mou, Johan, donc ça je reprendrai un petit peu le sear spring en rentrant, mais c'est histoire de 10 minutes, et je pourrai te le poster mardi, il n'y a aucun souci, hein. Donc là j'ai pas de mire arrière non plus, hein. Je tire au jugé essentiellement. Voilà, là les doublettes à 20 mètres sur de la 20 cm. Quand je touche pas, hein, c'est parce que c'est du jugé, donc j'ai aucun repère. Le premier coup, il part au hasard, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, donc comme je disais, le trigger il est un petit peu mou, ça revient un petit peu doucement. Donc ça, je corrigerai à la maison, hein, mais sinon il n'y a aucun souci, hein, la réplique sera prête, je pourrais te la poster mardi. Bon, tu vois, hein, quand je dis que le trigger est mou, ça va quand même vite, hein, y a pas de problème. Voilà, là, le chargeur est vide. Hein. Voilà Johan, écoute, pour moi celui-là il est prêt, là tu peux enquiller avec de la 0.30, tu pourras même jouer de la 0.28, tu pourras peut-être même jouer de la 0.32, hein, le hop-up a une bonne marche là, une bonne amplitude, et puis donc mardi on voit pour les modalités de retour, hein, et puis mardi je te le poste. Voilà monsieur,
Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.